Qu'est-ce qui se passe quand il y a plusieurs forces ? Alors, qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de se passer sous nos yeux ébahis ? On va décortiquer un petit peu ce qui s'est passé. Par rapport à l'application de ces piments et au courant mesuré, de même qu'au ressenti de chaleur que vous avez quand vous ingérez ces substances ou les mettez sur la peau. Et à ce stade, j'ai besoin des étudiants. Une fois que vous avez ingéré ça, il n'y a pas grand-chose à faire, mais vous pouvez essayer de prendre une pastille de menthe. Il y a des substances qui font l'inverse et qui vont vous donner une sensation de froid. Donc typiquement le menthol, il va activer d'autres canaux qui sont les TRPM8. Et l'activation de ces canaux sert en fait à détecter le froid. C'était leur idée. Hein. Alors, on dit ici, c'est une évolution sur des milliers, des centaines d'années. Moi, j'ai un tout petit peu envie de dire, ça, c'est moi, ça, c'est... Oh là ! Oh là là ! C'est là qu'ils veulent que je fasse quelque chose. Voilà, eux, ils sont par là. Et moi, j'étais là quand mes enfants ne sont pas encore nés.
Et puis quand ils sont nés, je suis devenu un peu comme ça. Et puis après, on s'adapte. Le mucus ici a été coloré en rose. Dernier point, l'achat du calendrier. Alors, ça, c'est un point qui n'a pas de rapport avec l'histologie. Point, vous l'avez compris. Bonjour tout le monde. Alors, normalement on devait attendre monsieur Lamy, mais il n'a pas l'air de venir, donc on va faire le cours à sa place. Donc aujourd'hui c'est un cours d'anatomie, je crois, sur la tête. Donc est-ce que vous savez ce qu'est une tête? C'est là qu'on dit oui. Alors ça, c'est une tête. Mais ça, c'est aussi une tête. Elle là, elle fait la tête. Et lui, il a vraiment une tête à claque. Je pense que vous êtes un peu comme moi ce matin, c'est compliqué de se lever. Vous deviez sûrement avoir la tête dans le cul. Et pour ceux qui conduisent, de temps en temps, on fait des têtes à queue. Mais bon, ça, on va pas vous le dire. Normalement, on avait un cours de 2 heures. Mais moi, j'ai un tête à tête, donc je vais devoir vous laisser. Très bonne journée à tous. Au revoir. Vente de billets, venez au Pressat. Venez au Pressat, vente de billets. Chouchou, chichi. Venez au Pressat. Venez au Pressat. Venez au Pressat. Bon ben c'était la vodka. Venez au Pressat. Les 15 jours qui sont juste avant l'ovulation. Donc, entrez. C'est fermé. Ah bah alors. Ah bah ouais, mais c'est fermé pour de vrai. Bonjour. Je suis l'ovule. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la direction des trompes de Fallope, s'il vous plaît? C'est par là. C'est par là-bas? Parfait, oui. Parce que j'ai rendez-vous avec un garçon, il a dit qu'il ramenait quelques potes aussi. Oh, aucune idée ce que c'est, mais je me réjouis en tout cas. Amusez-vous bien. Magnifique. Alors. Là, on va faire. Il y aura 6 questions, à chaque fois 4 propositions, un artiste et un titre. Mais une seule bonne réponse. Première question. Est-ce qu'il s'agit de Dafoot, Harder, Better, Faster, Stronger? De Section d'Affion, désolé. Des 5 marrons, Move Like Jagger,
de Bobo Paprika. Celle-là, elle est un peu plus dure. Bravo. La question 6, s'agit-il de Lady Gaga avec son grand tube Peel Her Face, de la réponse D, de Attel, le moine like fou, on a oublié le fou, ou de Tayo Booth, Dynamite. On va essayer quand même de reprendre ce cours. Donc d'après le quiz, on voit que vous avez déjà appris énormément de choses depuis lundi sur le système digestif. Parfait. Belle journée, merci, au revoir.
Parfait, il est 10h08. On va gentiment commencer le cours. Je vous laisse prendre place, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on va vous parler un peu de phylogénétique. Vous avez déjà eu les cours de génétique, si je ne m'abuse. Donc, vous l'aurez remarqué, philo est écrit différemment. Parce que l'idée, c'est aussi de voir un peu la philosophie dans la science. Donc, c'est une introduction au cours Les mécanismes du développement, un cours qui sera donné par le professeur Rat tout au long de l'année. Donc, un peu sur moi, ça fait déjà quelques années que je fais un peu de la médecine, mais je fais aussi un peu de la philosophie et de la génétique. Ce sont un peu mes différentes passions. J'ai essayé aussi un peu publier, que ce soit des livres un peu dans la philosophie, mais aussi un peu de la publication scientifique. Et puis, si je décris un peu qu'est-ce qui me plaît tout particulièrement, ben c'est tout ce qui a trait un peu avec les tableaux, notamment toutes les histoires d'expéditions médicales, un peu scientifiques pour essayer de découvrir les espèces, l'ADN d'époque, et puis évidemment tout ce qui rapporte un peu à la génétique, au conseil génétique, et c'est un peu l'activité clinique que j'ai à l'hôpital. Évidemment, la philosophie, quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement au-delà de la médecine. Pourquoi est-ce que j'ai jugé intéressant de m'introduire ainsi? C'est que ça vous a permis peut-être un peu de mieux me cerner, vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi est-ce que j'aborde certains aspects dans le cours de cette manière. Donc, définition de la science. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui manque un peu dans la définition donnée par le dictionnaire CNRTL? Quelqu'un a une idée? Personne n'a d'idée? Pas grave. Donc vous voyez, c'est la somme de connaissances qu'un individu possède ou peut acquérir par l'étude, la réflexion ou l'expérience. Et on se rend compte que peut-être que la philosophie permet de corriger un peu les biais qu'on aurait intérieurement. On va voir un peu mieux quelles seraient les sources de biais que l'esprit humain peut développer. Donc je vous propose directement de commencer par une analyse de tableau. Voilà, le texte a été un peu coupé. Donc je vous explique déjà, je vous fais la première analyse, vous en ferez une seconde. Donc c'est l'histoire de Carl von Martius qui était un généticien. Donc maintenant je vous propose de vous prêter au jeu. Je ne sais pas si vous connaissez Joseph Wright of Derby, non? Un peintre qui essayait un peu de décrire les débuts de la science, pas forcément médicale, mais plutôt la science à l'époque. Donc est-ce que quelqu'un voudrait un peu nous parler du tableau de gauche, à votre gauche? Mademoiselle là-bas? Non? Oui? Oui? Non? Monsieur à côté? Oui? Oui? Ah! Eh bien. Des volontaires peut-être au premier rang? Des gens motivés? Les deux messieurs là-bas? Allez, levez-vous! Oui! Allez, pour vos camarades! Le tableau de gauche, c'est ça. C'est juste. Alors, ce que je voulais surtout vous faire voir à travers ces tableaux, c'est en fait, vous voyez que les tableaux sont très sombres à la périphérie et autres. Donc, la science était très stigmatisée à l'époque. Donc ça, c'est une slide qui est vraiment capitale, selon moi. C'est le prisme de la conscience humaine. Donc vous voyez que les faits arrivent et sont intégrés par le cerveau. Et puis, nous avons donc les croyances qui entrent en jeu, les biais, l'ego, l'esprit de groupe, les conflits d'intérêts et les idées d'appartenance. Donc, on se rend bien compte que la science est définie par l'humain et ne pourra donc jamais être objective. Vous voyez ce qui arrive lorsqu'on est en troisième, c'est ça? C'est ça. Merci. Bon cours.